Coucou les lions et bienvenue sur votre guidance pour le mois d'octobre 2023. Donc si vous avez du lion dans votre thème astral, eh bien j'espère que cette guidance vous parlera. Allez voir bien sûr les autres signes de votre thème astral pour avoir un complément d'information. Bien sûr, nous sommes sur une guidance générale, je ne le répéterai pas assez. Donc prenez les messages qui vous parlent, surtout prenez les choses avec discernement. Ça peut malheureusement pas parler à tout le monde. Et n'oubliez pas que je tire plusieurs fois les cartes et donc il peut y avoir des messages différents. Peut-être qu'un des messages vous parlera mieux que les autres. Alors, une petite précision encore aussi, je ne suis pas cartomancienne, je suis médium, donc je ressens les choses. Et c'est pour ça que je n'interprète pas les cartes. Je les ressens et je donne des mots. Cela m'aide, à donner des mots à mes ressentis. Alors, ceux qui viennent me voir en consultation le savent, parce que je vous montre des fois les cartes, mais je les ressens plus. Voilà, c'est une base pour exprimer mes ressentis. Alors, un grand merci à tous ceux qui me soutiennent sur ma chaîne. Ça fait très très plaisir de voir que j'ai beaucoup de vues, que vous regardez, c'est surtout le plus important, que vous likez et que vous vous abonnez aussi, bien sûr. Merci à vous tous. Sans vous, cette chaîne n'existerait pas. Allez, j'ai assez blablaté. On va démarrer pour vous. D'abord, on va aller regarder les énergies générales et bien sûr, on ira voir après le côté sentimental. C'est parti pour vous, les lions. Ah. Vous entendez Zimba qui est devant la fenêtre et qui veut rentrer. Mais il reste dehors. Alors, que nous disent les lunes? La pleine lune en cancer, les lions. Un problème personnel va se résoudre. Alors, le cancer, bien sûr, nous sommes dans les émotions. Donc, il y a beaucoup d'émotions, certainement. Un problème qui vous touche beaucoup. Quelque chose qui prend beaucoup le dessus peut-être en ce moment, qui vous empêche peut-être aussi d'avancer sur certaines choses. Mais là, on sent que les choses vont prendre une autre dimension. Voilà, nous sommes en ce moment sur le thème de les choses vont se résoudre. Alors, que nous disent les êtres stellaires? Prenez soin de vous. Soin de toi, soin du corps, tendresse, repos. En ce moment, je pense que vous êtes fatigué. En ce moment, vous êtes peut-être épuisé par une situation. On le sent, hein, vous avez des choses à résoudre. Ça vous perturbe beaucoup. Et vous êtes en train d'essayer de vous rééquilibrer. Vous avez énormément besoin de prendre du temps pour vous, pour pouvoir reprendre confiance en vous. Alors, le soin de soi, ça peut commencer bien sûr par le soin du corps, mais ça peut être aussi le soin de l'âme, à savoir apaisez-vous, peut-être méditer, peut-être se relaxer. En tout cas, prenez des moments pour vous. Ça, c'est hyper important parce que vous êtes peut-être oublié dans certaines situations. Alors, bien que vous soyez très solaire, bien que vous soyez justement à cause de ça, parce que vous êtes solaire, on a peut-être tendance à vous demander plus que vous pouviez donner. Donc, réfléchissez bien à tout ça et peut-être vous dire, c'est le moment de faire une petite pause, c'est le moment de prendre du temps pour moi, c'est le moment de réfléchir à ces problèmes que j'ai qui vont se résoudre, mais vous allez trouver vous-même les solutions parce que vous allez penser à vous. Ça, c'est le message que je peux vous donner. Vous avez besoin de penser à vous. Alors, que nous dit le petit Lenormand? On a de la chance, hein. Il y a de la chance, fin de cycle, vous voyez, les choses commencent à bouger pour vous. Peut-être que vous allez arrêter de prendre tout sur vous. Allez, donnez-moi un message pour les lions. Fin de cycle, oui, vraiment fin de cycle pour se dire, je prends mon temps. Alors vous êtes tenté quand même peut-être par certaines choses de vous dire oui,
Tentez de résoudre les problèmes, mais ne reprenez pas les problèmes des autres. Restez fidèle à vous-même. Restez dans ce côté mature que vous avez, on le sent. S'il y a énormément de chance, il y a des choses qui viennent vers vous, il y a des opportunités qui arrivent, qui vont faire que vous allez pouvoir avancer. Vous êtes en fin de cycle, à savoir vous allez fermer quelque chose pour ouvrir autre chose. Donc saisissez certaines opportunités, elles peuvent être professionnelles comme sentimentales. En tout cas, ici, il y a des choses qui changent, on le sent. Vous êtes dans la phase de changement. Et vous serez certainement tenté de prendre cette opportunité qui arrive. Vous hésitez, mais en même temps, ce sera... pour certains, vous avez l'impression peut-être que ce sera la pomme empoisonnée. Non, pas du tout. Il faut savoir saisir sa chance. Et là, on vous le dit, vous aurez cette harmonie et cette maturité pour pouvoir vous laisser tenter par ce qui va arriver vers vous. Donc, on va regarder si c'est professionnel, sentimental. En tout cas, les choses, ici, on sent que vous mettez, faites table rase, vous restez toujours, toujours fidèle à vous-même, hein, parce que surtout, c'est important, vous reprenez confiance en vous. Vous avez certainement du soutien par certaines personnes de votre entourage qui sont là, par des amis. Vous n'êtes pas tout seul, hein. On sent que vous n'êtes pas tout seul, mais... Vous prenez la grande décision de vous occuper de vous et vous avez raison. Alors, que nous dit-on avec le tarot ? Ben regardez, ça se, le 8 d'épée est retourné, donc le blocage, tout ça, ça se développe. Oula, oula, là. Bon, il y a des bouleversements. Il y a de la reconstruction, parce que les cartes volent hein, pour vous. Il y a des révélations. Je pense que vous allez prendre conscience que il va falloir changer certaines choses. Hein. Regardez, vous êtes en train d'évaluer la situation par rapport à peut-être à une collaboration que vous avez à l'heure actuelle. Et parce qu'on a quand même ici le côté dilemme, un peu refus de voir. Et je voudrais en sortir une autre, la dernière. On a la tempérance, à savoir que ça y est, vous repartez pour reprendre goût à la vie et pour vous rééquilibrer et harmoniser les choses. Je vais la mettre là parce que vraiment, elle me paraît... ici, sortez de votre enfermement. Il y a quelque chose qui va se passer. Il va y avoir un déclic. Hein. Il va y avoir un déclic. Vous allez vous... alors, je pense... Bien sûr, ça peut être aussi sur le côté sentimental. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu plus professionnel. Mais on va aller voir quand même avec l'oracle pro. Parce que ici, on sent qu'il y a quelque chose qui va se passer. Alors, on est dans la reconstruction, vous avez envie d'avancer, mais j'ai l'impression que vous évaluez quand même cette collaboration que vous avez avec quelqu'un, ou peut-être votre travail, hein. Attention, ça peut être dans votre milieu professionnel, il y a des choses qui se décantent, il y a des choses qui vont se matérialiser, alors peut-être que vous allez voir certaines erreurs, parce que j'ai l'impression que vous avez, jusqu'à présent, vous êtes mis un petit peu, vous avez fait un peu la politique de l'autruche, à savoir, je ne veux pas savoir, refus de voir, on me dit, hein. Le dilemme, il est là parce que vous avez peut-être refusé de voir les choses telles qu'elles sont. Et là, pardon, vous êtes dans une phase de réévaluation de tout ça. Vous comprenez, il y a des révélations, il y a des bouleversements, il y a peut-être même une crise importante qui se passe en ce moment. Et ça va vous permettre de réévaluer la situation et de vous dire, est-ce que je veux vraiment ça ? On a vu ici que vous étiez en phase quand même de reconstruction aussi, et en phase de changement, ben là, ça se confirme. Et vous commencez à finir par vous dire, je vais donner un sens à ma vie, que ce soit professionnel ou sentimental, je vais rééquilibrer tout ça, et je vais avancer. Donc, c'est une phase dans ce moment peut-être où vous posez beaucoup de questions, mais vous aurez aussi beaucoup de réponses. Alors, regardez le professionnel pour vous, les lions. Il y a une rupture de contrat. Hein. Bon. Il y a le temps de réflexion. Je pense que ça viendra de vous. Hein. Je pense. Ouais, je pense que ça viendra de vous, cette rupture de contrat.
Ah, ça sort en paquet. Ça, là, elle veut venir. Oui. Ah, regardez. Je vais la mettre aussi, celle-là. Rupture de contrat. Ici, on a le sentiment de reprendre sa liberté. De... Alors, peut-être que certains vont se mettre en freelance. Hein, ça se peut. Je vais même la mettre ici. Non, je vais la laisser là. Mais bon, ça, on s'en fout d'où elle est. Je pense que ça vient de vous. Hein. Il y a ce côté année sabbatique, réflexion, ce côté je prends mon temps pour décider ce que je veux faire. J'ai surtout envie, besoin d'être plus indépendant dans le travail que je fais. À savoir, ça ne veut pas dire que vous allez mettre à vos comptes, ça peut être aussi, vous dites, j'ai envie de m'organiser moi-même, seule, et de faire mon bout de chemin. J'ai pas envie qu'on me dise à chaque fois ce que je dois faire. On a ce sentiment de reprendre sa liberté et de se dire, je veux être maître de ce que je fais, que ce soit au niveau professionnel. Bon. Ici, on sent que c'est quand même cette rupture de contrat, elle vous fait pas mal. Hein, c'est pas le côté où vous êtes absolument à terre et que vous avez dit non mais je vais pas m'en sortir. On sent que pour vous, il y a quand même cette facilité qui est là et ça vous met pas à terre. Je pense que justement, ça va vous redonner des ailes pour aller vers autre chose. Parce que ici, moi, j'ai quand même à la fin le côté enrichissement et abondance. Alors, vous allez peut-être vous enrichir au niveau intellectuel, mais je pense aussi que vous avez d'autres projets et que vous allez les mettre, ça va vous donner le déclic pour démarrer sur autre chose. En tout cas, j'ai pas le sentiment... Moi, je n'ai même pas le sentiment que vous allez perdre votre travail. Je pense que c'est volontairement. C'est vous qui allez prendre cette décision de quitter quelque chose pour aller vers autre chose. À voir. Voilà ce que je vous donne comme sentiment. Parce que moi, je me sens pas mal. Hein. Je me sens pas mal du tout dans cette situation. Justement, on a le côté, je me remets en selle et je redémarre autre chose derrière. Bon, on va aller regarder le sentimental pour vous, les lions. Alors, c'est peut-être ce qui s'est passé hein, et que vous venez maintenant de retrouver quelque chose d'autre et ça vient peut-être de se passer ou ça va se passer. Bon, moi, j'ai quand même le cœur endeuillé, hein, les lions. Vous cherchez la lumière alors que vous êtes très solaire. On sent que vous êtes en train de vous reconstruire et de reprendre le goût à la vie. Sentimentalement, je ressens beaucoup d'une crise quelque part. Hein. Si vous êtes en couple, c'est pas ça. Si vous êtes célibataire, oui. C'est qu'il y a eu des choses derrière qui n'ont pas d'avant, qui n'ont pas été très, 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 très bien. Mais en même temps, on sent que vous êtes en train de vous reconstruire et de retrouver un petit peu ce goût à la vie et de retrouver peut-être lentement, pardon. Excusez-moi. Je me suis un petit peu en remis, je suis désolée. On sent que vous êtes en chemin de retrouver la lumière vers l'amour. C'est un petit peu ça que je ressens. Vous êtes fini la période noire, en fait. Même si le cœur n'est pas encore tout à fait ouvert, vous reconstruisez, vous donnez la chance. Je cherche ma lumière, c'est ce qu'on vous dit. Oui, vous êtes en train de vous reconstruire. Vous êtes en train de laisser ce côté noir derrière vous. Voilà, qu'est-ce que nous donne le petit Lenormand. Ah, c'est marrant, le serpent est là et le serpent est là. Ça... Fin de cycle aussi, tentation. Vous allez sortir de cet isolement. Parce qu'on sent bien, hein, regardez, on a le cœur endeuillé, vous cherchez la lumière. Je pense que vous avez, alors, en couple ou célibataire, c'est la même chose, vous avez été très seul.
Hein, si vous êtes en couple, vous êtes très seul dans votre couple, vous êtes un petit peu senti mis à l'écart, vous avez peut-être le sentiment que vous n'avancez pas à deux, il y a peut-être de la distance entre vous. Je pense que cette phase se termine. Le serpent, ça peut être aussi une phase, on dit toujours, ça peut être aussi une fin de cycle, ça peut être des tentations, bien sûr, mais c'est une, pour moi, on sent qu'il y a une... Ce côté seul, il commence à disparaître lentement, commence à ressortir, vous remontez à la surface, voilà, c'est le mot, vous remontez à la surface de tout ça, et ici, on a quand même un travail sur vous, que vous avez fait, et que vous allez faire, en tout cas, il y a ce côté, sentimentalement parlant, il faut que je remonte, il faut que j'arrive à sortir la tête de l'eau, il faut que j'arrive à m'écouter, il faut que j'arrive à reprendre confiance en moi. Et vous avez quand même le côté, j'ai envie du bien-être, j'ai envie d'arriver à de belles choses, et surtout j'ai la force de le faire. Vous êtes des lions, vous êtes le roi de la jungle, et donc vous êtes le côté, cette force, elle est là. Elle est là parce que vous remontez à la surface très déterminée, à savoir, il faut que les choses changent, il faut que j'arrive à passer au stade du dessus et à sortir de ce cœur endeuillé et de me mettre à avoir envie d'aimer, de vivre ce que j'ai envie, dois vivre et tout ça. En tout cas, on me dit que vous êtes sur le bon chemin et que les choses... oui, c'est, vous êtes vraiment sur le bon chemin. C'est l'étoile. C'est, vous suivez votre étoile, vous suivez votre chemin et vous arrivez à vos fins. Alors, que nous dit-on avec l'oracle des amoureux du temps? Ouais. Ben, il va falloir se remettre hein, de cette trahison. Bon, il y a eu de la trahison, hein. On sent bien, il y a eu, vous vous sentez trahi. Vous vous sentez trahi, peut-être parce que vous vous sentez seul. Dans tous les cas, hein, couple, je vous ai dit, couple ou célibataire. Il y a eu des choses, il y a eu dans vos relations sentimentales, des choses qui n'ont pas été comme vous auriez aimé. Mais vous avez beaucoup de trahison, hein. Je sens qu'il y a quelqu'un qui vous a quand même... peut-être manipulé, je dirais même. Je ressens un petit peu de manipulation, les lions. Il y a des blessures, hein. On le sent. Il y a des blessures internes qu'il va falloir réussir. C'est pour ça que vous avez le cœur endeuillé, hein. Qu'il va falloir remonter. Vous remontez à la surface, mais on sent que derrière vous, il y a du lourd. Hein. Malgré tout, on a quand même... les messages de l'univers, on a l'univers qui est là, donc on a une protection divine qui se met sur vous. Reconstruction avec la famille, peut-être aussi soutien de votre famille qui est là, qui ne vous lâche pas. Et on sent que il va falloir, le temps est un facteur qui est là, le chemin est peut-être un petit peu long, mais vous allez vers l'harmonie, vers le sentiment d'équilibre, de maturité et d'équilibre. Donc, je dirais que pour les couples, certainement, vous allez certainement vous repositionner par rapport à certaines situations et peut-être trouver un terrain d'entente. En tout cas, pour tout le monde, le sentiment de trahison, vous avez coulé, va disparaître petit à petit, ça met du temps, pour aller vers quelque chose, une certaine harmonie et une certaine maturité. Que nous dit-on ? Beaucoup de choses cachées quand même, hein. Beaucoup de choses cachées. Bon, on a quand même l'ange jardin, ce qui ressort quand même deux fois.
Aïe, 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 aïe. Bon. Ouais, on vous dit, hein, faut prendre du temps pour vous. Faut vous remettre de vos blessures. Il y a une remise en question qui se fait. Je pense que vous quittez une situation très dangereuse, très malhonnête. Cette relation, elle est pas bonne pour vous. Voilà, je vais vous le dire franchement. Alors, ceux qui sont en couple à l'heure actuelle, pour pas tout le monde hein, bien sûr, mais pour certains, vous êtes dans une relation assez néfaste, assez. On sent, hein, il y a beaucoup de choses cachées, il y a beaucoup de choses secrètes. C'est quelqu'un qui est peut-être discret avec vous, mais qui va pas au bout des choses. Moi, je ressens vraiment ici le côté manipulation. Je vous avais dit tout à l'heure, je sens de la manipulation. C'est quelqu'un qui n'est pas, qui est avec vous, pas pour les bonnes raisons. Il y a quand même ce côté toi et moi. On sent que vous avez envie de rester avec cette personne. On sent qu'il y a de l'amour. Mais est-ce qu'il y a vraiment de l'amour des deux côtés? Ou est-ce que l'un n'est pas plus à manipuler l'autre? Ou alors c'est vraiment une relation toxique, à savoir que vous n'arrivez pas à vous séparer. Vous revenez à chaque fois ensemble. C'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. On sent que c'est. Vous sentez que vous n'êtes pas bien ensemble, mais vous n'arrivez pas à vous séparer. C'est. Voilà, je vous dis, ça, c'est un schéma répétitif, en fait. Et pourtant, on sent que cette personne, il y a quand même ce côté, il y a de l'amour, mais les conséquences ne sont pas bonnes. C'est pas ce qu'il vous faut, les lions. Pas sur une relation harmonieuse. Moi. Il y a une synchronicité, hein. Il y a de l'amour un peu, mais pas du bon amour. Je sais, je sais pas s'il y a du bon amour et du mauvais, mais on sent que c'est. Je veux dire, vous aimez mal. Vous aimez mal et vous faites du mal surtout l'un à l'autre. Ce que l'on nous donne. Deux cartes. Bon, moi j'ai une rupture. Hein. Moi, je pense que cette rupture, alors soit elle est déjà passée, hein, soit elle va venir. En tout cas, moi, je pense que cette rupture, c'est un petit peu la chance de votre vie. C'est pas une rupture qui. Bien sûr que c'est trahison, ça vous fait mal, mais. Ça va vous donner quand même du bon derrière. En plus, je pense que cette personne, cette relation, elle est pas du tout basée sur vraiment beaucoup l'amour, c'est l'intérêt, c'est chacun voit son propre intérêt de son côté. Est-ce que vous êtes vraiment, ou vous serez vraiment, ça dépend de votre cas, dans une relation basée sur l'amour, ou est-ce que vous ne serez pas plutôt dans un système un peu matérialiste, à savoir, bon, bah, je reste parce qu'il a de l'argent ou elle a de l'argent, parce qu'on a une maison en commun. Voilà, c'est un petit peu ça. Mais pour moi, il y a quand même ce côté, de rupture. Et pour moi, vous voyez, la bonté, c'est pas la bonté de l'âme. Pour moi, c'est le côté, c'est bon pour vous que ça se passe comme ça. Cette rupture, cette coupure, cette distance, cette séparation, comme vous voulez le mettre, le mot qui vous parle le mieux, pour vous, ce sera une espèce de libération, quelque part, pour pouvoir. Ça vous fera du bien, voilà ce que je veux dire. Ce ne sera pas négatif. Bon, bah, les lions, je suis désolée, j'aurais préféré vous dire autre chose.
Voilà votre guidance pour le mois d'octobre et j'espère que ça vous a parlé. Donc n'hésitez pas à me mettre des retours sous la vidéo. Je vous dis à bientôt. Au revoir.